Hello, bonjour à tous, on attend que tout le monde arrive. Hello, Tao Tao, ça va? Hello, Oui. ça va et toi, Belle, ça va bien? Ouais, très bien. Ça va te Attends, dire rentrer? parce que pour rentrer, Ouais. c'était chaud, hein? Mon Ça avion, va? pour rentrer, c'était chaud. Mon avion avait un problème de frein, donc j'ai dû rester 3 h 30 après. Oh mince! Je suis rentrée à 2 h Oh. du matin, je te jure, j'étais carbonisée. Bon. Bon, t'as passé une belle semaine? Ça va, je suis en reprise là. Bon, ça fait plaisir, hein. Je vois qu'on est quand même nombreux là. J'ai vu qu'on était 40. C'est C'est top. top, c'est Ouais, très top, ouais, c'est top, c'est top, voilà. c'est top. Et Exactement. oui, je vais dire au fur et à mesure qu'on avance un peu avec ce Social Selling Forum Jazz Africa là, ça, on rencontre de belles personnes et ça fait que bah un peu, il faut, j'ai envie de mettre ça sous forme de communauté quoi, tu vois. Très bonne idée. Voilà, Très parce bonne que là, idée. les gens arrivent, les gens partent. Parce que tu sais, au début, on avait les Naboufal. Au premier, tu vois, c'était quand même les gens que j'avais sollicités. Les Adjaratou, aujourd'hui, elles n'ont plus trop de temps, mais elles sont toujours là, derrière, pour me pousser, là. Les Mireilles, tout. Donc, je pense que je veux faire la communauté. Excellente idée. Je vais créer. Ensemble pour faire rayonner l'Afrique. Ensemble, rayonner l'Afrique. Je vais créer cette communauté. Et on va essayer de se tenir la main dans la main et on va évoluer tous. Ben oui. Donc, il y a des gens qui arrivent. Top, top, top. Bonjour à tous. Salut Fabien, ça va? Ça va, très bien, merci. Bon. Je connais ta maman et t'as Ah. peut-être Oh là là. déjà parlé de Mais tu connais ta maman, donc moi. tu parles pas, tu dis pas des trucs bizarres ici, pas plus. Mais non. Non, mais c'est vrai qu'elle est intervenue avant moi au Social Selling Forum, donc c'est possible. Oui. Puis je l'ai rencontré aussi. Hein. J'ai déjà rencontré. Attends, attends. Ta Je viens maman, de tu vois qui faire c'est? le lien. Ouais, je viens de faire Jasmine. le lien avec le nom. Ah, oh, mais tu la connais en plus. Possible. Je viens de faire le lien avec ton nom. Tu sais, j'avais pas le truc, j'avais pas. Mais c'est Valérie. Ah! Non, mais je sais. Non, mais c'est le nom qui. Valérie Matry. En plus, elle a commandé son poste. Donc, du coup, elle m'a bien tagué là-dessus. Et j'ai pas. Ouais. Je parle avec J'adore. le nom. Ok. Bon, moi aussi, je connais ta maman, Fabien. Donc. Ah, bon. Ouais, c'est l'occasion de te découvrir. Moi, j'ai Ouais. vu aussi les publications, j'ai vu aussi tout l'amour qu'elle te porte. Mais ouais. Fabien, ta maman, bah C'est top. oui. Bah oui, C'est c'est top. beau. Alors, content Heureusement. d'être là parmi nous? Bah ouais, écoute, j'étais déjà intervenu, là c'est bien de le faire aussi officieusement, parce que les premières fois, bah, j'avais pris la parole naturellement, mais très Mais content c'est d'être bien là de cet prendre la après-midi. parole. Bah, moi, Nice. j'ai commencé comme ça, j'ai pris la parole naturellement et puis regarde. Bah Je voilà. suis De toute façon, avec Loïc, c'est comme ça. Hein. Moi, c'était Ok, avant top. ce Social Selling Forum, c'était pendant le confinement, c'était Entraide entre pros qui avait lieu le midi et que j'avais rejoint. Et après, tout de suite, à peine, il m'a dit de présenter une keynote la fois suivante. Ouais. Voilà, c'est Et ça. c'est ce Donc, que j'ai fait. Voilà, c'est Loïc. bah, top. En Ok, même temps, ça c'est bien marche. hein, parce qu'on est dans l'action. Ah oui, c'est D'accord. clair. Donc là, nous, on va lancer notre. Parce que je pense que là, on n'a pas beaucoup de time. Hein. On a 35 minutes là OK. pour parler sur le sujet de la combinaison des outils pour mieux marketer et mieux se vendre. Et donc, du coup, pour faire pour l'ouverture, hein, j'ouvre juste le débat. Après, s'il y a des questions, si les personnes ont vraiment des questions par rapport à ça, n'hésitez pas de les poser. Alors, il y a mon ami, mon frère et ami Bekir qui a pu enfin se connecter, hein. Bienvenue parmi nous, Bekir. Eh oui, salut Donc, Bekir. moi, mon positionnement par rapport à cette thématique-là, c'est juste pour ouvrir un peu le débat et puis après on va y arriver. J'ai eu un peu de mal avec les marketeurs, entre guillemets.
Ce qui j'appelle marketeur, c'est la personne qui veut pousser sa solution en disant que c'est l'ultime solution. Aujourd'hui, tu n'as même pas besoin de site web, tu n'as pas besoin de réseaux sociaux, tu n'as même pas besoin de clients pour vendre. Tu vois un peu le style, je ne sais pas si vous voyez un peu le style de marketeur dont je suis en train de parler. Je ne parle pas des marketeurs. Voilà, bientôt, tu n'auras même plus besoin, bah, avec l'IA, hein, bientôt, tu n'auras même plus besoin d'être là pour vendre. Donc, pour faire de l'argent en continu et tout. Mais sauf que la réalité est que, en fait, les gens veulent pousser leurs produits ou leurs services pour montrer qu'ils sont importants, que c'est important de faire ceci, c'est important de faire cela, c'est important d'avoir ci ou d'avoir ça. Sauf que tout est important. Parce que pour moi, développer son entreprise, créer l'entreprise et la développer, c'est comme un avion. Dans l'avion, il n'y a rien qui est le plus important. Chaque pièce est importante. Là, la preuve, hein, je t'ai dit, on a eu un problème de frein. Et des fois, c'est peut-être une pièce qui manque au niveau des freins, on n'a pas décollé. Et imaginez, ça vous prend en l'air, j'imagine pas quoi. Donc, si vous êtes en l'air, vous comprenez bien que chaque pièce du puzzle est importante. Donc, aujourd'hui, le marketing, comme la vente, comme tout ce qui est autour, nous d'abord, commençons par nous parce que c'est la tête. On a les ailes un peu, je peux dire, c'est les produits. Après, on a les moteurs, le marketing, la vente. Après, on a tout le fuel qui vient. Donc, c'est-à-dire qu'il faut injecter de l'argent dedans pour faire de la publicité, pour se faire voir, parce que ce serait dommage aussi de ne pas utiliser ces leviers-là. Et voilà, il y a tout ça contribue en fait à faire fonctionner son entreprise et la développer en ligne. Et donc, du coup, pour ouvrir, vous, en tant que... dans votre utilisation et aussi dans le conseil que vous donnez à vos clients, comment est-ce que vous faites cette combinaison, quelle est la meilleure combinaison d'outils que vous avez, voilà, pour vous marketer et mieux vendre vos produits, services ou bien vous-même, hein, ou bien votre idée aussi, parce qu'on vend aussi les idées. Donc, la parole est free, hein. Ou bien vous voulez que je dise toi. Non, je veux bien démarrer. Alors, donc je vais parler en fonction de mon positionnement, donc sur la stratégie digitale. En fait, c'est indispensable de combiner plusieurs leviers. Sauf que être partout, ça veut dire aussi être nulle part, et qu'on met en fait en place une stratégie parce qu'on a une vision. Donc, quelle est la vision de notre entreprise, de notre marque? Quel sens, quelle valeur aussi on y associe? Quelle culture aussi d'entreprise? Et la projection, donc en fait, ce qu'on souhaite réaliser. Donc, tout ça va faire qu'on va avoir en fait un positionnement qui va être bien ciblé et qu'à partir de ce moment-là, où on aura défini donc la stratégie et les objectifs, on va pouvoir passer à la mise en œuvre opérationnelle et donc aux outils. Ces outils, ils sont multiples. Et le titre de cette session correspond très bien, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être sur un seul outil. C'est la combinaison des outils, on dit même la synergie, en fait, hein, dans le digital, qui permet vraiment d'atteindre quelque part les objectifs et les résultats attendus. Alors, ce n'est pas parce qu'un outil fonctionne chez le voisin qu'il va être bon pour vous et qui va fonctionner aussi, qui va donner des résultats. En fait, c'est vraiment en fonction des objectifs que vous avez. C'est un peu le même principe, cette fameuse question, avoir ou pas un site Internet, parce qu'un site Internet, c'est aussi un outil. C'est en fonction de la même chose, de votre business, de votre objectif. Est-ce que c'est utile? Est-ce que vous avez aussi les compétences nécessaires pour créer ce site Internet, pour le faire vivre, pour le référencer? Donc, il y a les outils que l'on choisit. On parlait de ChatGPT, Midjourney, ce sont des outils. Mais j'aime bien rappeler avant tout que c'est 80% les neurones. Bien avant les outils. Donc, quelle est quelque part votre réflexion? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce que vous souhaitez acquérir de nouveaux clients, créer une base de données? Est-ce que vous souhaitez plutôt être, vous êtes dans l'e-commerce, plutôt être dans l'achat? Tout ça, c'est toutes ces questions qui vont permettre en fait déjà de choisir les outils.
D'accord? Et vous avez donc des spécialistes qui sont là pour vous conseiller, pour vous expliquer qu'en fonction des objectifs que vous avez, tel outil serait le plus adéquat et le plus performant. Mais en tout cas, bien avant les outils, c'est une réflexion stratégique en amont. Et j'insiste sur le fait qu'on fait des choix. Le côté vouloir utiliser tous les outils, être partout, en fait, c'est contre-productif. D'accord. Qui veut partager quelque chose avec nous, Ado, Emmanuel? Ado, comment, toi, qu'est-ce que tu utilises? Tu as 25 000 outils ou alors tu as tes préférés? Comment est-ce que tu les utilises pour, voilà, pour marketer et mieux vendre? Honnêtement, moi, je suis minimaliste en fait en termes d'outils. Par exemple, sur mon profil, déjà, j'ai choisi mon réseau social pour le côté professionnel et pour l'acquisition de clients. J'ai choisi LinkedIn, point barre. Je suis sur Facebook, mais beaucoup plus pour mon amour pour l'écriture, mon amour aussi un peu pour le développement personnel parce que j'écris souvent de longs textes sur LinkedIn, sur des sujets personnels. Et je les partage parce que j'avais constaté quand j'écrivais, il y avait des gens qui m'interpellaient, des femmes surtout, j'ai vécu la même chose en échange. Ça, c'est vraiment pour le côté développement personnel. Voilà. Maintenant, sur LinkedIn, c'est le côté pro en fait. Sur mon profil, je dis, puisque dans mon offre, il y a la création de contenu, je pense que ce serait bien que si quelqu'un arrive sur mon profil, j'ai le lien vers mon site que j'ai conçu moi-même et sur lequel j'ai mis un minimum de contenu avec les différentes offres, puisque je suis un peu 360 degrés marketing digital de base. Donc, je veux que la personne ait un aperçu de ce que je fais et aussi un aperçu de mon style de création de contenu, ce que moi j'estime être important. Maintenant, sur mon site même, il y a un endroit où j'ai mis prenez rendez-vous, par exemple, ou programmer un rendez-vous avec moi, un lien vers mon calendrier, par exemple. Une personne peut se rendre donc sur mon calendrier, prend une plage de rendez-vous. Je sais qu'il y a des jours de disponibilité et des jours où je ne suis pas disponible. Donc, ensuite, quand je le consulte, s'il y a un planning qui a été réservé, je check, je contacte la personne. On bloque le rendez-vous. Et ensuite, le prochain outil, c'est Zoom ou bien WhatsApp. Entre les deux, en fonction de l'aisance que le client a avec tel ou tel outil, on peut échanger sur WhatsApp, bien avoir fait un call audio ou vidéo sur Zoom. Et ensuite, maintenant, mes outils à moi pour la prise de contact, c'est bon, ça s'arrête là. Ensuite, maintenant, si c'est OK et que voilà, le client est acquis, je rentre maintenant en immersion dans les outils de mon client. S'il utilise Slack, par exemple, ou bien il est sur WhatsApp pour les communications, pour faciliter le travail. Donc, moi, c'est vraiment simplement comme ça pour ce qui est de l'acquisition, de la prospection. Merci à Je veux bien prendre tous. la parole pour prendre la suite si personne ne la prend. Oui, Fabien. Moi, en termes d'outils, j'ai aussi choisi mon réseau, j'utilise LinkedIn. Et ce qui est marrant, c'est que bah, je ne l'utilise pas vraiment pour les mêmes raisons que Ado. En fait, ce qui est aussi important de comprendre, c'est qu'il y a différents outils d'utilisation et qu'on peut utiliser le même outil, mais pas dans les mêmes fins. C'est-à-dire que moi, si je rejoins LinkedIn, ce n'est pas du tout pour le côté pro, parce que c'est d'ailleurs quelque chose que j'essaie de démocratiser, que ce n'est pas vraiment un réseau professionnel, où il faut envoyer des CV, il faut avoir une photo en costard. Moi, justement, j'essaie de développer mon personal branding sur un peu sur la fougue, sur des choses qui ne sont pas du tout de bas avec les clichés en fait de LinkedIn. Et j'utilise cet outil, bah, voilà, pour parler de mes expériences, pour parler de trucs un peu plus personnels, pour partager énormément de choses, pour apprendre, pour faire des échanges, et pas forcément pour faire du business ou pour voilà pour trouver des clients, parce que bah, moi, je propose des formations sur la prospection et closing. Mais c'est des choses qui arrivent en biais en fait de ma stratégie sur LinkedIn. C'est-à-dire que voilà, je partage mes expériences. Les gens me suivent pour ma personnalité plus que sur mes contenus, parce que je fais très peu de contenu bah, sur la vente, sur le closing, sur les choses techniques. Et c'est pour ça que les gens viennent à moi. C'est plus pour ma personnalité, parce que j'ai choisi. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis sur LinkedIn, bah, pour parler de moi, pour être vrai. Et c'est pour ça que les gens me contactent quand même grâce à la création de contenu, parce qu'ils aiment ma personnalité et qu'ils ont envie de travailler avec moi. Donc voilà, on peut utiliser les mêmes outils, pas forcément les mêmes vins,
pas forcément aux mêmes fins. Et ça dépend surtout de votre stratégie, voilà, de votre positionnement aussi, que ce soit sur LinkedIn ou ailleurs. Mais globalement, on va tous utiliser les mêmes outils qui vont être LinkedIn. Ensuite, comme Ado l'a dit, je ne sais pas, Teams, Zoom pour faire des visios, Calendly parce que c'est le plus simple pour obtenir des rendez-vous et pour pouvoir échanger. Il y en a aussi beaucoup qui utilisent Olaxy pour faire un peu de prospection automatisée. Moi, j'ai découvert l'outil récemment, mais c'est pas, du coup, encore une fois, ce n'est pas dans les mêmes fins. Ce n'est pas pour faire la prospection, etc., pour démarcher, parce que je pars du principe que ce serait un peu contradictoire d'essayer d'être vrai et de parler énormément de mes expériences et du côté humain sur LinkedIn, puis après de faire la prospection automatique où ce n'est pas vraiment moi qui parle. Donc, j'utilise plutôt cet outil parce que j'ai des projets, que j'aimerais avoir des retours sur mes projets de manière plus simple que de copier-coller le message aux gens que je connais, quoi. Donc voilà, ça dépend un petit peu de votre positionnement sur le réseau et de l'utilisation que vous voulez faire de ces outils. Merci beaucoup, Fabien. Chanès, j'ai vu que tu étais bien d'accord avec certaines choses que Fabien est en train de nous dire. Et donc, du coup, est-ce que tu veux... Enfin, pas grand-chose, mais c'est vrai que j'étais plutôt alignée à ce qu'il disait. C'est bien parce que moi, personnellement aussi, j'utilise essentiellement LinkedIn. Et le but, d'ailleurs, ce n'est pas juste que de faire du business, mais c'est vraiment de créer du lien et d'apprendre des autres, d'apprendre aussi des expériences des autres, parce que parfois et très souvent, les gens partagent leur expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein, aussi bien émouvante que joyeuse. On apprend tous les jours, et de toutes les façons, la règle du business n'est pas d'aller vendre, mais la vente va venir toute seule. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer d'appuyer ou de forcer, mais il faut être là, il faut être présent, il faut écrire ce qu'on a envie d'écrire, il faut partager ou poster, quel que soit le type de contenu, vidéo, du texte, une storytelling, un carrousel, mais c'est de le faire parce que j'ai bien envie de partager cette information avec mon réseau. Voilà, donc moi personnellement, je suis de cet avis parce que c'est comme ça que je fonctionne. Donc je ne cherche pas, d'ailleurs c'est simple, si on va sur mon profil, je n'ai pas 10 000 personnes connectées, ou je ne cherche pas non plus à augmenter le volume des abonnés parce que je veux avoir les personnes qui m'intéressent. C'est pour moi, c'est ça. Si on crée réellement le lien, il faut qu'il soit vrai. Il faut pas juste. D'ailleurs, c'est un peu ce que je reproche aussi au niveau des réseaux sociaux, c'est qu'on nous demande en connexion, mais il y a pas de suite. Donc les gens n'interagissent pas. Alors que le jeu est là, c'est que si quelqu'un me demande en connexion, je vais aller voir son profil. C'est ce que je fais, hein, dans la réalité. Et puis si demain ou dans la journée j'y ai un post, je le lis, je m'intéresse à ce qu'il écrit. Et si ça m'inspire, je réagis. D'accord, merci beaucoup Chanès. Et qui veut partager avec nous, Emmanuel? Quels sont les outils que tu utilises? Allô, Emmanuel, mets ton micro. Ça ne vient. D'accord. Bon, le son, j'ai eu un léger souci où mes différentes icônes ont disparu. Donc, j'ai utilisé une autre méthode alternative en appuyant à activer le son sur mon. Comme quoi, il faut être multi-outil. du coup, dis-nous un peu qu'est-ce que tu utilises, toi, comment tu combines pour marketer et vendre. Un peu comme ça, je vais essayer de passer la parole. On n'a pas beaucoup de temps. Hein. C'est un sujet très important. Bon, je vais essayer de parler des outils qui me viennent en tête présentement, ou bien ceux que j'ai pu ressentir, parce qu'il y a plusieurs outils, et certains outils, je l'utilise par période, et d'autres de façon un peu plus quotidienne. Bon, donne-nous les outils. Jean, tu te lèves le matin, sans ça, là, tu ne peux pas vivre, c'est quoi? Bon, il y a le nouveau qui vient d'arriver, puisque, bon, déjà, le premier, c'est LinkedIn, c'est celui que je fais toutes mes communications. Et tout. Le deuxième outil maintenant qui vient d'entrer, c'est ChatGPT. Mais pour nous, où ChatGPT a des soucis, j'utilise Bing AI pour pouvoir travailler. Le deuxième outil que j'utilise qui m'aide sur LinkedIn,
C'est Elan Tech, la plateforme où nous avons développé pour la mise en forme de tests sur tous les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, LinkedIn, j'en passe. Et par la suite, maintenant, j'utilise aussi, bon, en combinaison avec Elan Tech, j'utilise aussi les outils de correction du texte pour les petites erreurs. Oui. Et à côté maintenant de ça, il y a Google Analytics que j'utilise sur les différents sites ou projets que nous avons développés pour avoir une meilleure analyse des visiteurs et mieux comprendre leur comportement. Donc, c'est comme si j'ai essayé de très vite faire comme si il y avait quelque chose derrière moi. Mais oui, voilà. j'essaie de donner la parole à tout le monde. On n'a pas beaucoup de temps. C'est un dommage. Ouais. Et Yves, toi, dis-moi, quelqu'un qui fait de l'art oratoire, est-ce qu'il a besoin d'outils ici? À part le micro. Oh là là, ta connexion, Yves. Vous l'entendez ou bien c'est moi? Vous l'entendez? Et on t'entend pas, ta connexion dérange. Oh là là. On voit ce beau sourire, mais non, la connexion. Essaie un peu de nous revenir à la connexion. Amadou, tu veux partager quelque chose avec nous? Dis-nous. Ah, Amadou, on ne t'entend pas. On n'entend pas du tout, Amadou. Ah, c'est bizarre, ça. Bon, essayez de... C'est bon. Vas-y. Là, c'est Yves. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Yves, on t'entend bien, là. Bon, Amadou, essaie de résoudre ton problème de son. On prend Yves. Oui, Yves. Oui, je disais tantôt que ce qui a été partagé est super intéressant. Moi, je suis sur LinkedIn, je suis sur Facebook, mais ce que je voulais ajouter comme outil et qui marche dans mes activités actuellement, c'est l'utilisation des groupes WhatsApp, par exemple. Ça permet de bâtir une communauté qui a des besoins communs. C'est-à-dire que quand vous parvenez à rassembler des personnes qui ont des besoins communs, qui ont des problématiques communes, ça vous permet également, au-delà du caractère humain, de partager quelque chose de commun. Et je pense que bâtir une communauté digitale comme ça, avec des outils comme les groupes WhatsApp, les groupes Facebook, c'est également un excellent moyen de marketer et de vendre également ses services ou ses produits. Donc, c'est ce que je voulais ajouter pour ne pas être plus long. Merci beaucoup. Il y a Sandrine dans le chat qui dit qu'elle est d'accord avec toi. WhatsApp, elle utilise beaucoup WhatsApp pour le côté personnel, le côté pro. Donc, elle a LinkedIn, Instagram, Canva, Google Agenda, Jutsi Mail, Pixabay, Remove.org. Donc, elle utilise pas mal d'outils pour le quotidien. Donc, Wilfried, je te passe la parole. Quels sont tes outils? Comment tu les utilises, toi? D'accord. En plus de ceux que Emmanuel a cités, puisque nous échangeons au quotidien, donc on utilise pratiquement les mêmes outils, je pourrais rajouter premièrement Canva, qui permettra de faire les visuels pour la communication et tout ce qui va avec. Et deuxièmement aussi, pour ceux qui ont les moyens de s'offrir un compte premium LinkedIn, il y a aussi le Sales Navigator. Je ne sais pas si vous connaissez, parce que bon, j'ai eu à utiliser le Sales Navigator, bien que ce n'était pas sur mon compte personnel, sur le compte de quelqu'un d'autre. Mais bon, c'est un outil très puissant qui permet d'avoir une cible bien particulière, un peu comme si on voulait faire une publicité. Mais cependant, ça peut être dans le cas où on veut faire des demandes de connexion à des personnes qui appartiennent à sa cible, dans le cadre où on veut envoyer des messages, se connecter avec sa communauté, tout ce qui va avec. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. OK, merci beaucoup. Amadou, on essaie un peu de t'entendre encore. Oups. Ah, on ne t'entend pas, Amadou. On ne t'entend pas. Germain, règle ton son. Qu'est-ce qui se passe avec ton son, Amadou? Essaie un peu de nous gérer ça, là. Germain, tu veux nous dire quelque chose? Est-ce que Germain est avec nous? Bon, Germain n'est pas avec nous. Il ne nous entend pas. Kauta, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'on vient de dire?
Oui, moi j'aimerais parler aussi de tous ces outils web collaboratifs. Moi pour ma part, j'utilise beaucoup Microsoft Teams, qui est aussi très utilisé par mes clients. Zoom est un excellent outil aussi web collaboratif. J'ai vu dans le chat aussi, on a noté aussi Google Meet. Donc il y a Slack, en fait il existe de nombreux outils web collaboratifs. Et en fait, il faut trouver quelque part l'outil qui nous correspond le mieux. Et ces outils, pour donner un exemple vis-à-vis de Zoom, l'usage de Zoom à titre professionnel, c'est un abonnement de 129 euros en fait, par an. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait, quelque part, aussi abordable et qui permet, en effet, de faciliter à la fois des réunions, des rendez-vous, des prises de contact. Donc, ça nécessite aussi une réflexion sur quel usage, en fait, on souhaite faire de tous ces outils. Et je dirais, bon, en termes d'outils, 3-4 outils à peu près maximum. Alors, Canva, ça a été souligné, en effet, ça c'est pour le côté plus le côté visuel, design. Maintenant, on va dire, dans chaque spécificité, c'est bien d'avoir en fait un seul outil ou d'avoir un outil qui nous permette en fait de réaliser pas mal de choses. Parce que des fois, en fait, on s'y perd. Les grandes entreprises, les groupes, en fait, c'est ça. Hein. Les collaborateurs, en fait, les collaborateurs sont perdus parce qu'il y a aussi une multitude d'outils. Donc, c'est vraiment, en fait, un choix stratégique aussi, aussi les outils. J'ai vu aussi dans le chat Notion. Ça, c'est pas mal aussi. Je ne sais pas si d'autres connaissent. Moi, j'utilise aussi et c'est plutôt pratique. Il y a Wilfried qui monte comme ça, donc ça veut dire qu'il utilise Notion, Ado aussi. Tu n'as pas dit, tu n'as pas dit. Maintenant, tu fais comme ça. Hein. Bon. Germain, est-ce que tu peux partager avec nous les outils que toi, tu utilises pour marketer et mieux vendre? Moi, personnellement, les différents outils en fait, que j'utilise, je suis beaucoup un adepte en fait, de LinkedIn. Parce que c'est LinkedIn en fait où j'ai pu en fait avoir en fait des clients, d'accord. C'est sur LinkedIn également que j'ai pu en fait mettre en avant mes différentes compétences, d'accord. Donc LinkedIn en fait est pour moi en fait l'outil idéal déjà pour des personnes en fait qui sont en quête d'emploi, pour des personnes en fait qui sont à la recherche également de clients et tout. Et il y a également aussi l'outil qui est également très intéressant que certaines personnes également négligent, Canva, qui est pour les marketeurs également, qui est un outil en fait qui permet en fait là tout ce qui est création, comment j'ai dit ça, visuel, PowerPoint, présentation et tout ça. Exactement. Donc c'est un outil également qui moi également me sert parce que faut dire que ça fait quand même un bon moment que j'ai pas été en contact en fait avec l'outil en fait Adobe. Donc Canva en fait par moment, exactement, me sert en fait sur beaucoup d'aspects. Donc en gros, c'est deux outils en fait pour lesquels j'ai un pincement au cœur parce que vraiment ça m'aide vraiment dans mon quotidien. Voilà. Merci. Il y a Yves, le gars de la voix, hein, qui parle de podcast. Il y a Bekir qui parle de Trello aussi. Il y a beaucoup de Trello, je vois. Il parlait de livre blanc. Bekir, est-ce que le livre blanc n'est pas, par exemple, beaucoup plus une histoire de stratégie qu'un outil? Je ne sais pas. Parce que dans tout ça, on se perd. Parce que moi, je pense qu'il y a le côté aussi stratégie de ce qu'on met en œuvre, tout ce qui est lead magnet, tout ce qu'on va utiliser par rapport à ça. Et puis maintenant, on a les outils qui nous permettent, en fait, de les concevoir. Et moi, je vais peut-être prêcher pour ma paroisse, je ne vois pas le site web dans tout cela comme un outil. Parce que le site web, pour moi, peut être beaucoup plus qu'un outil, mais il va falloir qu'on le combine. À lui tout seul, il ne peut rien faire. Les réseaux sociaux, à eux tout seuls, ils ne peuvent rien faire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont malades, mais qui ne savent pas. Vous savez la maladie que vous avez tous en ce siècle-là? Vous le savez ou pas? Vous ne le savez pas, je vais vous dire. Vous êtes tous atteints d'algodépendance. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous allez publier comme les réseaux sociaux vous demandent de publier. Vous allez faire comme LinkedIn a demandé de faire.
Et si ça l'énerve même, il ferme votre compte, hein, parce qu'il y a plein sur Facebook, WhatsApp. Même moi, j'ai été bloquée par LinkedIn alors que j'organisais un social selling forum. Et donc, du coup, si vous retrouvez bloqué, comment vous allez faire avec vos 5 000, 10 000 abonnés que vous avez eu, que vous avez passé du temps à travailler là-dessus? Est-ce que vous avez un moyen de les récupérer? Bah non. Ça fait que c'est tout le travail que vous faites, vous êtes en train de le perdre. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, comment est-ce qu'on fait justement aujourd'hui? La vraie question, c'est de comment est-ce qu'on rentabilise sa présence en ligne? Comment est-ce qu'on la rentabilise? Là, on est en train de discuter ensemble. Vous m'avez pas, on a dit aujourd'hui, je connais Fabien, je connais Ado et tout ça, mais ça, on est un peu dans un bois, un peu comme à la fête. Après, j'ai envie de connaître Ado de façon un peu plus intime. Où est-ce que vous pensez que je vais me rendre? Ben, je vais essayer de voir si Ado a un site web. Et maintenant, si j'arrive sur le site web et que je me rends compte qu'il y a un déphasage entre la Ado sur LinkedIn et ce qu'elle propose sur le site web, elle me perd en tant que client. Parce qu'il faut le dire, hein, avoir des bonnes... Je veux dire, on est là aujourd'hui, on est des entrepreneurs. On a des choses à vendre. Que ce soit une idée, que ce soit un service, on veut vendre. On passe 10 heures sur LinkedIn, 20 heures, 3 heures à créer un article de blog pour vendre. Il faut qu'on se dise la vérité parce que je vais faire ma petite English là. You know, le côté francophone là, on est toujours dans des trucs comme si vendre ou bien se faire de l'argent, c'est pas bon. C'est la façon avec laquelle on le fait maintenant. C'est ça qui va nous différencier en fait, nous différencier des autres. Et donc pour moi, le meilleur plan qu'il faut avoir, selon moi, c'est le plan à 3. Je vous vois déjà, hein. Ah, je vois, regardez, ouais. Le plan à 3, pour moi, c'est le meilleur plan. J'adore le plan à 3. Parce que, en fait, c'est un process. C'est-à-dire quoi? Nous sommes sur les réseaux sociaux, on discute, on s'amuse, on s'enjaille et tout, machin, truc et tout. C'est comme si on se rencontrait à une fête et tout, le gars te plaît, ou bien quand c'est le côté de la fille, elle te plaît bien et tout, machin, et on discute. Mais si chaque fois on se rencontre dans les soirées comme ça, on discute, ça fait qu'on n'a pas pris la personne pour l'emmener quelque part de façon particulière pour lui dire vraiment tu m'intéresses. Et donc, justement, cette conversation qu'on a commencée sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on la déplace en fait? On la déplace sur un site web qui est préparé pour ça. Parce que oui, parce que nous, on connaît, nous les filles, là, je vous dis comment fonctionnent les gars. Quand on accepte vos rendez-vous là et qu'on décide d'arriver chez vous, on vous analyse, tic au tac, la serviette est placée ou machin, ceci, le bica fait comme ça. Donc, si la chambre est en désordre, on sait déjà à qui on a affaire. Le lieu fait tac, 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 1, 2, 3, on connaît déjà en 3 minutes avec qui on est. Et c'est pareil aussi, vous les gars, quand vous avez déjà bien analysé le truc et que vous amenez, voilà. Et donc, du coup, quand vous venez, cette particularité là, avoir cette approche, c'est ça qui est très, très intéressant. C'est que là, maintenant, on amène la personne dans cet environnement privé. Et là, maintenant, c'est quoi? Le site web, quand il est très, très bien pensé, il fait son job. Parce que pour moi, un site web, c'est le partenaire idéal. C'est votre partenaire. Parce que quand il est bien pensé, il peut avoir 8 visages. Et ça me fait penser à le post, l'un de mes premiers posts sur LinkedIn, c'était les 8 visages de votre site web. Et je l'avais fait avec personne, la fille de Game of Thrones. Si vous... Et donc, du coup, oui, le site web peut revêtir plusieurs visages en fonction des objectifs que vous lui donnez. Il peut être une belle secrétaire. Hein. Justement, Ado, elle a dit, quand vous venez sur son site web, vous pouvez prendre un rendez-vous avec elle. On est en train de discuter là, mais vous pouvez aller sur son site web, prendre un rendez-vous pour avoir une discussion plus particulière, parce que depuis le matin, ce qu'elle dit résonne et vous avez envie de discuter avec elle. Imaginez si elle n'avait pas un site web. On allait rester là dans les échanges, on allait se connecter, on allait... C'est long. Est-ce que vous voyez un peu? L'autre site web peut être un guide. C'est-à-dire que quand on arrive sur le site, quand il est bien fait, il guide chaque pas. Chaque page même est intentionnellement pensée pour que le visiteur arrive là-bas. Et donc, du coup, le guide va faire quoi? Il va convertir le visiteur en client infini. C'est ça. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que, OK, on arrive sur votre site web, c'est bien, ça s'est bien passé et tout, machin. Et là, vous lui dites que, écoute, laisse-moi ton 06. Donc, c'est-à-dire que vous avez mis sur votre site web tout ce qui va vous permettre justement de récupérer en fait les adresses mail. Donc là, vous avez un livre blanc, vous avez tout ce que vous voulez, un podcast, un truc gratuit que vous proposez. Et là, la personne vous laisse le 06. Et là, vous lui dites, là, on est déjà dans le deuxième, hein. On est déjà en train de poser avec le deuxième parce que le premier, c'était les réseaux sociaux. Donc, on est sur le site web. Et après, maintenant, quand la personne récupère le site web, vous lui dites, écoute, chef, tu sais quoi?
j'ai encore quelque chose de trop bien pour toi. Regarde, j'ai un groupe. Et là, vous l'envoyez, par exemple, sur votre Telegram ou bien sur un groupe WhatsApp que vous avez préparé à l'avance, c'est-à-dire pour toujours avoir le contact avec lui. Donc, c'est-à-dire que si le mail ne marche pas, vous avez le contact de la personne. Vous êtes sur les réseaux sociaux. En fait, aujourd'hui, et c'est ça qui est difficile, c'est que quand vous terminez une relation avec quelqu'un, il va falloir l'enlever sur tous les réseaux sociaux sur lesquels vous étiez amis. C'est très chaud. c'est ça aujourd'hui maintenant. Et donc, du coup, c'est ce qui se passe aussi avec, avec le site web. Le plan à trois pour moi. Welcome back in English world. Welcome back. Yasmine, welcome back in English world. In English world. Now, we speak in French for a few minutes. We still have a... Non, il ne faut pas que je morde ma langue. Chacun son truc. Je ne suis pas en anglais. Yeah, we speak back in French. Where are they? Are they coming or what? What happens? No? Oh, everybody is supposed to come now, yeah? A lot of people here, but I think what happened, it's not closed. Is it closed? I will close everything. How do I close this? I close everything. Yeah. Yep. Must be a bug somewhere. I think there is a bug. No, they are all here. I still see them here, but they are still. Hello, Becky, who is here with us again. Enfin, we missed you. We missed you. Tu nous as manqué. On parle en français. Tu nous as manqué, Becky. Alors... Jasmine, tu vas de nouveau nommer quelqu'un, tu vas de nouveau, c'est toi qui nommes quelqu'un pour nous faire une synthèse en trois points de ce que cette personne ou les personnes ont appris dans ce workshop, vas-y, de cet atelier. Qui nommes-tu pour nous faire la synthèse de ce elle n'est pas en ligne ou bien c'est moi qui ne vois pas. Il y avait Sandrine. Sandrine, où es-tu? Elle est là, Sandrine, mais elle ne se montre pas. Elle ne se montre pas, elle a fait des très très beaux... Voilà. C'est Sandrine qui parle. Sandrine, tu nous donnes les trois choses que tu as apprises dans cet atelier. Les trois choses que tu as apprises dans cet atelier qui sont importantes pour toi. Vas-y. Mets ton micro en bas à gauche hein, sur Zoom. Oh là là, sur Zoom en bas. Tu as un beau chat. Excusez-moi. Il y a eu beaucoup de choses parce que, dis donc, il y a eu une liste énorme d'outils. Tout le monde a vraiment bien participé. Moi, je retiendrai surtout la... Ah mince, je perds mes mots, je suis un peu intimidée. Je t'en prie, il ne faut pas être intimidée. Je t'en prie, Sandrine, on est ensemble. On est ensemble. J'ai plus mon mot vocabulaire, je suis désolée. C'était les propos de Yasmine. J'ai pris des notes. Le plan à trois. Le plan à trois. Oui, le plan à trois. Le plan à trois. Où va-t-on avec ce social selling forum? Elle est à fond pour le plan à trois. Éclairez-nous. Je veux dormir moins ignorant. On a peur, là. Il faut être à l'atelier désiré, il faut laisser. Et donc, moi, je suis encore à l'école, je suis encore étudiante en community manager, je suis stagiaire chez Bekir. Et là, ce que j'ai bien apprécié chez Jasmine, c'est effectivement le plan A3, notamment la question du site web. Puisque moi, dans mon école, je dois, pour avoir mon diplôme, je dois faire un blog. Et ce blog, je le vends à travers Instagram. Donc, combinaison. La combinaison des deux. Et donc, Jasmine expliquait que le site web était très important parce qu'il fallait, pour pouvoir... pour importer le client ou le prospect dans son monde, dans son univers, et faire un site qui soit vraiment bien, qui ait une expérience utilisateur vachement bien tournée, excusez-moi les termes. C'est bien, Sandrine, c'est bien. Accroche avec ce site web, arrive facilement à naviguer, trouve ce qu'elle cherche rapidement, facilement, et elle rentre dans un univers qui lui convient. Et donc, à ce moment-là, effectivement, c'est mieux qu'un téléphone ou qu'un mail. Elle va rester, elle va donner effectivement son 06. Donc, effectivement, c'est gagné. Ce sont les termes de Jasmine. Pour le plan A3, le 06 pour le plan A3. Oui, on a bien compris. C'est ça que moi, j'ai effectivement retenu parce que je trouve que c'est une bonne chose pour mon blog et je vais essayer de suivre les conseils de Jasmine.
Mais écoute, Sandrine, si tu as des besoins, si tu veux, tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Attendez, il n'y avait que Jasmine qui a apporté quelque chose ici. C'était non, un atelier non, interactif. Non, il y avait une autre personne qui a parlé de WhatsApp. Et là, je suis d'accord avec elle parce qu'elle disait que WhatsApp, ça crée des interactions et une communauté. Moi, j'utilise WhatsApp en tant que personnel et même dans la pro. Et dans le pro, notamment avec Bekir, on a créé des groupes de stagiaires. On communique énormément, on s'envoie des vidéos, on s'envoie nos travaux, on échange, on s'envoie nos rendez-vous, on voit une exposition, on explique okay. aussi notre... Enfin, vraiment, il y a vraiment une émulation et un échange. C'est vraiment génial, ce réseau-là aussi. Ok. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut rajouter il nous reste une minute, là. Quelqu'un veut... Il y a quelque chose qui est passé à l'as dans votre atelier. Une autre... N'importe qui, allez-y, levez la main ou parlez. Non ? Je vous parlez pas, Fabien, tu veux dire quelque chose ? Oui, Emmanuel ? Moi, oui. Ce que j'ai apprécié, c'est... Galise, montre-toi, Galise. Tu t'es déjà montré une fois. Montre-toi, si tu veux bien. Voilà, Galise. Ce que j'ai apprécié dans l'intervention, c'est de savoir qu'en fait, il fallait choisir ses réseaux sociaux pour définir, on va dire, une stratégie, enfin, je ne vais pas dire de communication, mais qu'est-ce qu'on va dire sur tel réseau social. Et on pouvait utiliser des outils pour s'accompagner, pour communiquer. Cool, ok. Merci. Écoutez, nous allons terminer. Merci beaucoup. On vous applaudit, on s'applaudit comme ça. Hein. Enfin, vous applaudit. Alors moi, j'ai un peu. Et puis, on n'a rien eu de plus que. Enfin, excuse. For the English speaking people, we talked about all this during our own roundtable, by the way. Okay. Thank you. Merci à tous. On recommence à 14h50 précise, donc venez à 14h45 en ligne, notamment ceux qui sont censés parler, comme Fabien, Patrie, Loïs, Maria, Abbas, Kaotar. Kaotar, elle va pouvoir parler en table ronde. Et voilà. Et puis, Muriel, Angèle, Alima, Yves Loïc, Joël, etc., etc., pour le côté francophone. And in English, you will be able, if you are enough people, to participate to an interactive workshop about leveraging social networks to be hired, or you come back at 3:50 to get the patience Xingdong keynote. And I'm sorry. Loïc, you did it. You are able to talk. I love it. Okay, thank you. And the roundtable on how to leverage LinkedIn and other social networks to stand out and get recruited as the right team member, partner, associate, friends. Mais avant, nous parlerons de comment les professionnels peuvent se faire recruter et comment les indépendants, les freelances, peuvent se faire sortir du lot sur les réseaux sociaux et se faire missionner. Hein. Ce sera les deux sujets des deux tables rondes dans quelques minutes. Allez faire une petite pause, quelques minutes, et vous revenez à moins le... Car, à moins le quart. De Paris, hein, 14, voilà, de Paris. À tout de suite, j'arrête le live. Attendez, j'arrête le live. Où est-ce qu'il est le live? Que je l'arrête quand même, parce que je ne l'ai pas arrêté. OK, c'est bon. Ouf. Voilà, maintenant, vous pouvez raconter n'importe quoi pendant quelques minutes. Ce n'est pas enregistré. Hein. Vous pouvez y aller et puis rester là. Une journée. Salut, voilà. Bécky. Hi, coucou. Oui, Emmanuel. Bonjour, salut Bekir. Ouais, c'est ça. Bonjour Bekir. Non, j'ai absolument. Un plaisir de te voir, Bekir. Ouais, c'est la première fois. Réciproque, oui. Mais Amadou, ton chapeau, il va falloir que tu m'envoies un aussi. Parce qu'il fait beaucoup de choses. Mais Amadou, il y a quel problème avec ta connexion là? Tout à l'heure, on ne t'entendait pas là. Oh. Oui. Allô? Ta connexion là, Jasmine. Oui, ta connexion dérange. Waouh, c'est chaud. Bienvenue au club. J'ai quelques soucis de connexion là, c'est un bon problème. Aujourd'hui, Ariane, comment tu vas, ma chère? Oh là là. Ça va, merveille. Coucou Amadou, coucou à tous. Moi aussi, j'ai changé de quartier. On ne se laisse pas avoir par la connexion. Donc, tu es obligé de changer de quartier carrément. De quartier.
Ah, c'est bien. Allô? Oui. Voilà, ça va, j'espère que vous m'entendez là. Ouais, là, c'est top. Là, maintenant, c'est top. Ouais, dites à Désiré comment je pourrais, Inch'Allah, je vais l'offrir, Inch'Allah. Ok, Désiré, t'as suivi. Il est même où? Il demande les trucs et puis après, il part. D'accord.